Pas grand chose. Frère, j'ai pas fait exprès, je te promets. Pour un con, y a pas grand chose. Ah frérot, je l'ai pas vu le mur. Tu sais, j'ai une franchise de 3000 euros sur ça, tu le sais. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit chien qui s'appelle Caramel. D'ailleurs, je vais vous le chercher, attendez. Voilà, alors ça, c'est Caramel, d'accord. C'est mon chien, ça fait très longtemps que je l'ai, ok. Et c'est mon gâté à moi, c'est mon bébé. Pas vrai, bébé? Allez, vas-y, va jouer. On a reçu énormément de messages, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, en nous disant qu'il y avait un vétérinaire qui s'amusait à tuer des chiens pour de l'argent. Alors ce vétérinaire, c'est un vétérinaire qui vient à domicile, donc c'est un numéro spécial, vous l'appelez, vous lui dites voilà, j'aimerais que vous veniez d'urgence la nuit pour voir mon chien. Le mec, il vient, il vous fait un diagnostic, et la plupart du temps, il ne vous fait pas de diagnostic, il dit que votre chien est mourant et malade. Donc nous, on a appelé ce fameux vétérinaire, on l'a fait venir à la maison, on a mis deux caméras cachées dans la maison, et vous allez voir que ce qui va se passer va vous couper le souffle. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est intolérable, et je peux vous dire et je peux vous confirmer que ce mec ne pourra plus jamais faire son métier, parce que parole de Kamov, je vous le jure qu'un mec comme ça, il ne peut pas continuer à faire son travail comme il le fait, c'est impossible. Donc je vous en dis pas plus, regardez la vidéo pour bien comprendre et surtout regardez la fin parce que vous verrez qu'on n'y est pas les deux mains mortes. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion comme à l'ancienne. Bisous et à tout à l'heure. Bon les gars, là je suis avec papa, on a appelé le vétérinaire et on va voir ce qu'il nous dit, s'il est honnête ou pas, hein, parce qu'avec la réputation qu'il a, je suis pas sûr qu'il soit très honnête. Il fait quoi s'il est pas honnête? Ah déjà. Carmel, non, à ta place. Bonsoir. Bonjour. Je le sens un peu fatigué. Et ces derniers temps, voilà, il ne voit plus trop bien. Ok. Et je me demande s'il souffre ou pas, parce que je l'ai amené chez plusieurs vétérinaires. D'accord. Il y a des vétérinaires qui m'ont dit que le chien, s'il souffrait, il fallait le et tout ça. Okay, d'accord, ok. Vous pouvez faire un diagnostic et me dire ce qu'il a. Bien sûr, je vais faire un diagnostic. Ils ont trouvé quelque chose. Et le diabète. Il y a du diabète, ouais. Et il est traité pour le diabète. Et c'était pour le diabète, l'insuline. Ouais. À l'insuline, d'accord, pour vous, je vais regarder déjà le rythme cardiaque du chien. Ah, elle tape, au cœur. Elle n'est pas peur. Oula, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un instant, s'il vous plaît. Déjà, je vois que le rythme cardiaque est très très faible. Son oxygène est très très faible. Et, hop, t'as pas bougé, t'as. Allez, ça va aller. Bon. Le chien, il souffre d'une insuffisance cardiaque. Ça veut dire quoi, insuffisance cardiaque? Et le cœur, il est très fatigué. Très, très fatigué. D'accord. Et donc là, il n'y a pas un traitement, il n'y a pas quelque chose, on ne peut rien faire. Voilà, tout ça, il n'y a pas de solution. Bon, parce que mon chien, du coup, là, il souffre trop. C'est malheureux de le dire comme ça. Mais c'est dernier douloureux. Tu souffres, toi? Il a l'air. Il a l'air de souffrir. C'est qu'il ne va pas vous montrer. Moi, il est regardé à ses yeux. Regardez à ses yeux. Et ça, c'est le diabète, ça. Oui, c'est le diabète, mais le diabète, ça prend tout sur ça. C'est à vous qui. Comment ça coûte une. Ça coûte 450 euros. 450 euros une. 450 euros ici, on va récupérer dans le chien, c'est 150 euros de plus. Donc ça fait du 600 euros. Et aussi, ce qu'on peut vous proposer, c'est que nous, on travaille avec une entreprise de pompes funèbres esprit pour les animaux, du coup. Et du coup, on peut passer par cette entreprise-là qui peut même vous faire une sorte de petite boîte pour les cendres. Et ça coûte combien? Pour récupérer les cendres, ça coûte 200 euros de plus. Je ne fais pas tous les frais. Je peux vous le dire si vous voulez bien liquider pour 200 euros. Comme ça, moi, je vous prends 600 euros. C'est quoi une promo sur les. Non, pas une promo, mais. Vous savez, c'est un solde, c'est un solde. Non, vous, ça vous arrange de payer moins cher, moi, ça me rend que des cartons. Donc, vous tous, c'est à vous de voir. Du coup, moi, j'ai tous les produits. Vous me payez, je fais la piqûre. Il va s'endormir, il va s'apaiser. Et puis, bon, il va partir en paix. C'est meilleur pour vous. Je suis désolé pour votre avis. Non, mais c'est pas. Ah, on va rester. On va réfléchir, on va discuter. Je vous laisse deux secondes, j'en parle avec mon ami. Il n'y a pas de soucis. Bon, on est d'accord que
Fafa, il nous prend pour un con, le mec. Non, on est d'accord, le chien, il arrive. Le chien, je l'ai fait ausculter ce matin, je suis le vétérinaire derrière. Il a que dalle. Le chien, on l'a fait ausculter ce matin exprès. Mais en fait, ce que ce mec fait, c'est qu'il euthanasie les animaux parce que ça coûte cher. Vous avez vu, il y en a pour 600 et 800 euros, l'euthanasie. Cette personne-là, vous voyez, ce vétérinaire-là que vous voyez, il tue les animaux juste pour l'argent. Donc, on va aller le voir, on va lui dire qu'il a été filmé et on va lui faire une bonne sentence façon Kamov parce que ça, c'est inadmissible. Il y a le produit prêt. Du coup, moi j'ai. Non, t'as pas dit, on nous a pas dit oui. Du coup, moi j'ai mis le produit, on nous a pas donné de réponse. On nous a dit qu'on allait se. Ouais, mais je vais pas le gaspiller le produit, je vais payer, ça coûte extrêmement cher. Vous comprenez? Mais moi je vous ai pas donné de réponse, monsieur. Ouais, mais bon, bah, ce que j'ai vu, vous étiez pas contre. Vous avez donné ça, j'en arrange, mais je sais pas, y'a pas de choix. C'est un problème ça, qu'est-ce que c'est? Allez, attends. Non, y'a pas de bien. J'ai dit, parce que je rigole pas avec vous, je vous ai dit que j'allais prendre une décision. D'accord, j'ai dit, je vais voir avec mon ami, on va prendre une décision. On réfléchit, on revient, vous êtes déjà prêt à le piquer, le chien. Attendez. Ce que je fais, c'est pour vous, c'est pour votre chien. Mais pourquoi? De quoi tu parles? Est-ce que je t'ai dit oui? Est-ce que je t'ai dit oui? Est-ce que oui ou pas? Et 2 minutes après, piquer le chien. Ah oui. Il tuait ton chien sans que tu étais là. Ah oui. Bah, est-ce que vous. Déjà, avant de continuer à parler, vous pouvez composer cette soirée? Non, mais. Tout ça, c'est dangereux. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a comme produit dedans, c'est. C'est de l'eau. J'ai compris, mettez-la. Mettez-la. Il y a la fiole et tout, encore par terre. Ça par terre et tout, vas-y, là. La vérité, c'est que mon chien, ce matin, je l'ai amené à un vétérinaire, d'accord? Un vrai vétérinaire, un bon vétérinaire. Le chien n'a rien pour du diabète. Il n'a pas d'insuffisance cardiaque, il n'a pas d'insuffisance rénale. Il s'est trompé. D'accord. Mais. Il a dû se tromper. Avec le stéthoscope et tu dis qu'il a une insuffisance cardiaque. Juste avec un stéthoscope. Ça fait des années que je l'amène toujours au même veto. Le chien, je sais ce qu'il a. Il est suivi, je te dirai pas. Tu n'as pas à savoir. Il est suivi, moi je n'ai pas à savoir. Parce que tu ne peux pas donner le nom. Pourquoi je ne peux pas dire le nom? Parce que tu es filmé et je ne peux pas donner le nom, tout simplement. Comment ça, je suis filmé? Tu es filmé. C'est con, hein? Ah putain, c'est con ça. Maintenant, on fait comment? Vas-y. C'est pas la première fois que je fais ça en plus. Coupez cette caméra, moi je vais y aller. Oui, bien sûr. Et tu crois que tu vas sortir? Non, vous allez quoi? Jamais de la vie, parce que nous, on est plus intelligents que ça. Tu sais ce qu'on leur fait? On met leur visage et leurs coordonnées sur internet. C'est pas le top? C'est interdit. Oui, interdit de quoi? Bon, je prends les affaires. Donc, moi, je suis un youtubeur, d'accord? Marseillais. Il y a 900 000 personnes qui me suivent. Ça veut dire que quand je vais mettre la vidéo, il y a 900 000 personnes, laisse-moi finir, il y a 900 000 personnes qui vont voir ton visage et je vais mettre tes coordonnées, ton nom. Pas besoin de bouger dans tous les sens, de stresser. Bon, à un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait. Alors, écoutez, on va essayer de trouver l'arrangement. Bon, si vous voulez, vous faites le maximum pour le chien. Y'a rien à faire en fait, je comprends pas. Et comment tu as fait pour le vétérinaire? Écoute-moi, y'a même pas d'arrangement, tu sais quoi, va-t'en. T'as raison. Dans 2 jours, t'as l'ordre des médecins qui t'appellent. Tu vas dire, direct. Allez, va-t'en. T'es plus vétérinaire, c'est fini. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Non. T'appelles les fous? Non. On pouvait couper ça. Non, tu coupes rien du tout, touche pas la caméra. Touche pas. C'est pas chez toi ici. Non, c'est pas chez toi. Donc, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne parce qu'il y a une caméra qui me filme. Vous comprenez ça, moi? Vous comprenez? Moi, je vous propose un deal. Je vous propose un truc. Soit. J'arrête de filmer. On a les images, il y a une autre caméra qui filme, vous savez même pas où elle est. Et on met des images sur internet et on vous laisse partir tranquille, d'accord? Avec votre tête, votre nom, d'accord? Votre beau visage et tout. Soit vous restez avec nous, on trouve un arrangement à ma façon. Et quand on mettra la vidéo, on foutra votre visage et votre identité. Ce que j'aimerais, c'est que vous m'avouiez que ce que vous faites, c'est pas normal, allez, d'accord? Il a rien le chien. Baisse la caméra. Honnêtement, hein. Entre vous et moi. Allez. On est plus filmé. Entre vous et moi. Pourquoi vous faites ça? Pour l'argent. Oui. Sur le chien, vous êtes des animaux, on est d'accord? Oui. C'est... Des fois, ils ont rien, les animaux. Oui. Mais là, ils sont des fois, ils sont très bonnes santé. Des fois, ils sont très bonnes santé. Oui. Et vous êtes. Oui. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher. Oui. Et vous prenez plus d'argent sur internet. Oui. Combien vous touchez par mois si c'est pas indiscret? Entre 25 et 30 000. Sur le dos des animaux. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui appellent un vétérinaire parce que le chien, il a peut-être des petits problèmes. Pas grave au final. Et lui, cet il arrive. Oh, tu vous permets pas de me parler comme ça. Ouais, je te mettrai un coup de tête, frérot. Et lui, il arrive. Et le animal qui avait peut-être encore quelques années à vivre devant lui. Okay. Donc toi, tu vas rester avec nous. Et on va trouver un arrangement. C'est ton choix. C'est ton choix de rester ici. Trouver un arrangement. Ouais, je t'attends. On va trouver un arrangement. D'accord. C'est quoi l'arrangement? J'adore quand on pose cette question. C'est quoi l'arrangement? Ben on va te montrer c'est quoi l'arrangement. Allez. Bon, les amis.
Donc, vous savez, il est tard. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, exprès pour voir les arrangements Kamov. Et aujourd'hui, on va pas vous décevoir. On a préparé un pistolet à peinture, d'accord? Notre ami va nous dire, est-ce que tu es d'accord pour ce qui va se passer? Oui, je suis d'accord. Vous entendez? Oui, il est d'accord. Alors, filme-le, vas-y. C'est quoi ces conneries, là? Bah écoute, on va pas te peindre la tête, parce que je suis gentil, mais on va te peindre le corps entier. Allez, c'est bon, on peut pas s'arranger autrement, je te donne de l'argent. Non, je m'en fous de l'argent, mec. Je te donne 1000 euros. Mec, je m'en fous de l'argent. 5000. Non, je m'en fous. Allez, tu peux pas faire ça. Allez, si, je vais faire ça. Non, allez, arrête. Allez, 3, 2, un conseil, ferme les yeux. Ah, tu vois, Caramel, il est content. Ah, il est content. Allez, faut partir, ça. Bon, j'espère que j'ai compris la leçon. Oui, hein. Si un jour on nous dit encore, il y a un vétérinaire qui est venu, qui a fait ci, qui a fait ça, les coordonnées on les a, et là, ça sera pas la même chose, d'accord? Oui. J'enlève ça, ça me colle, ça. Vas-y, enlève-le. T'es quoi, de toute façon, tu es plus vétérinaire, tu en as plus besoin. Parce qu'en fait, je t'ai menti. Comment ça tu m'as menti? Tu seras plus vétérinaire, on va appeler l'ordre des médecins, on va envoyer. Ah non, la seule chance que tu as, c'est qu'on les mette pas sur internet. Allez, casse-toi maintenant avant que je t'en mette une. Ah, au fait, tu as oublié ça. Tiens. Allez, on s'arrache. Donc les frérots, comme vous pouvez le voir, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, on n'est pas allé de main morte, comme je vous l'avais promis, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Cependant, je vais pas tenir ma promesse. Je lui ai dit que je le balancerai pas aux flics, que j'appellerai pas l'ordre des médecins. Ben, je vais être obligé de le faire. Un vétérinaire comme ça, ça n'a rien à faire. Ça n'a pas sa place dans le domaine médical et encore moins dans le domaine des animaux. Donc je vous jure qu'après cette vidéo, je vais appeler l'ordre des médecins, je vais signaler son truc, je vais envoyer des vidéos pour preuve et je peux vous garantir que cette personne n'exercera plus et elle mériterait même d'aller en prison. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, bien entendu, c'est de faire attention quand vous amenez votre chien chez un vétérinaire ou n'importe quel professionnel de santé, que ce soit même pour vous. Ne vous arrêtez pas au premier avis, allez toujours voir un ou deux docteurs pour voir si les avis sont différents ou s'ils sont les mêmes. Pareil pour moi, je connais des gens qui ont eu quelques soucis de santé, qui sont allés voir plusieurs docteurs et heureusement qu'ils sont allés voir plusieurs docteur parce qu'il s'avère que le diagnostic était complètement différent du premier docteur qu'ils avaient vu. Donc c'est le message que je vais faire passer, faites attention à qui vous vous adressez pour la santé et ne restez pas sur un seul avis. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur cette même chaîne pour un nouveau prank, une nouvelle caméra cachée, une nouvelle expérience sociale. On verra bien, merci du fond du cœur. On est bientôt 900 000 sur la chaîne YouTube. Faut savoir que j'ai commencé il y a 3-4 ans cette chaîne YouTube et je pensais jamais arriver là. Donc on arrive sur les 900 000 et j'espère qu'un jour on dépassera les millions. Enfin le million déjà pour commencer, ça serait bien. Donc merci à vous tous d'être aussi nombreux à me suivre. Merci à tous ceux qui partageront cette vidéo, tous ceux qui la likeront. Et surtout partagez-la un maximum, surtout pour montrer aux gens dans quel monde on vit et qu'il faut faire attention. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à mercredi prochain 18h. Et n'oubliez pas, dans la description il y a la chaîne secondaire si vous voulez voir d'autres contenus que celui-là. Gros bisous à tous et faites attention à vous. Ciao.